Johnny. Salutations, petit capitaine et grands amiraux, ici Starcade votre hôte et nous retrouvons pour une vidéo de premier de la classe sur World of Warships et je suis avec mon Kremlin, c'est moi Starcade qui suis en vedette évidemment. Et dans l'équipe nous n'avons personne d'autre, mais par contre je vois un JSPN Vauclin avec son Alsace. J'avais pas vu ça pendant la bataille, mais bon quoi qu'il en soit, c'était un ancien en fait JSPN qui est venu chez les ADML mais qui est reparti chez les JSPN, voilà, donc c'est pour ça que je fais une petite parenthèse. Alors, en face, nous avons un Midway, porte-avions, Thunderer de Kurfürst, un Georgia, un Amagi, pauvre Amagi, enfin je sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, Worcester, Buffalo, Neptune pour les croiseurs, ils sont que 3 croiseurs de chaque côté, ouais. Yugumo, Benson, Akizuki pour les destroyers. Alors, chez nous, il y a un Midway, donc un Montana, Kurfürst, Kremlin, Alsace et Bismarck, pauvre Bismarck, je pense. Après, ça dépend, hein. Bismarck peut se faire de très bonnes, très bons points de victoire. Étant donné qu'ils sont, je rappelle, des rangs 8 face à des rangs 10, ils font des dégâts sur des rangs 10, coulent des rangs 10, ils gagnent énormément d'expérience par rapport à nous. Donc Smolensk, Seattle, Alaska pour les croiseurs, donc l'Alaska, très bien. Kitakazi et Benson et Z23 pour les destroyers, tant mieux. Hop, on est parti. Et j'ai le camouflage sapin givré qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout joli. Thunderer à 25, alors le petit problème. Alsace go wide. Boati qui dit ça. Donc Alsace go wide, pourquoi pas. Il évite d'aller en fait le plus loin possible en dehors des bases pour faire de. En fait, pour faire du tir avec ses 12 canons peut-être, je sais pas. Quoi qu'il en soit, nous voici avec une distance de tir médiocre, malheureusement, pour un très bon navire, le Kremlin. Et pour une fois que c'est moi qui suis en vedette, je suis bien content. Allez! Nous avons un Kurfürst en face, j'ai hâte de tirer dessus. J'ai hâte de le voir franchir la limite de la distance de tir, voilà, c'est bon. Nickel. Eh ben on y va. Bon, j'ai tiré un peu trop en avant, mais ça dépend, parce que là il y a 20 km, donc ça peut aller aussi. Ça peut le faire. Et surtout qu'il a tourné en plus. Là, je vais le rater, je pense. Eh ben non, 15 000 points. Ah, 22 000 points, il va être content. Je lui ai fait un cinquième de ses points de structure d'un coup. Merci Kremlin! Tellement content de te rencontrer sur la mer! Eh, c'est pas possible ça. Là, moi je prends 22 000 points dès le départ, j'ai un peu la loose. Hein. La capacité de nuisance du Kremlin est énorme. Mais elle est moindre que celle, j'avoue, du Thunderer. C'est, pour l'instant, le Thunderer c'est celui qui est pour moi le plus de pouvoir de nuisance. À 24 km 1, il peut, ou 7, je sais plus, il peut enflammer les ennemis, mais alors leur faire des dégâts monstrueux, oui. Avec simplement ses incendiaires. Ah, on tire dessus. On a Montana devant moi. Je vais taper sa queue. Non. Je vais taper son cul, excusez-moi. Ça va. 9500 encore sur le Kurfürst. Moi, j'ai pas pris grand chose, une pichenette. 2500. 2000, ouais, c'est ça, 2800. Petite pichenette. Je reste de flanc rien que pour le. En fait, je reste de flanc, c'est souvent pour les invités à tirer, voilà. Alors là, par contre, j'ai l'impression que j'ai pas bien tiré. Ah bon. Petite pichenette encore. Et lui, je lui inflige 11 000 points. C'est pas extraordinaire, j'ai tiré dans les superstructures, tiens. C'est pour ça que j'ai regardé la façon dont j'ai tiré et je fais non, ça va pas dans la coque ça. Ça va pas du tout dans la coque. Alors notre en train de prendre la base C, mais elle est contestée. La base B en train de la prendre avec un destroyer. La base A aussi. Donc faut que je la protège en fait contre l'arrivée du Kurfürst. Et donc Vauclin qui dit tirer sur le Kurfürst. Bah oui, bah voilà, on y va. On est parti pour 7600 et une tourelle endommagée. Mais il va la réparer à mon avis. Je me demande où est le. Ah bah l'Alsace est juste là je crois. Ouais. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'aime bien ramener sur le navire quand on tire, c'est joli. Attention. 8100 de plus. Bah au fur et à mesure, hein, ça commence à faire beaucoup. Hein. Je me suis arrêté
protège la base. Ah bah le curfew c'était mort de toute façon là. Je pense que le porte-avions va l'avoir. Ça va être le premier, premier stand de la journée. Quoique il se régénère hein. Il est pas encore mort hein. Il est derrière, il se régénère, il se régénère. Il passait derrière le bloc de glace. Et s'il en sort il est mort. Pourquoi il... Ah bah le Montana l'a eu, c'est bon. On va pouvoir se concentrer sur autre chose comme le Worcester là-bas. Hey! Qui a osé tirer dessus? Ça c'est un obus perforant ça. Alors j'ai fait un petit éventail là. J'ai bougé mon curseur en tirant. Parce que j'étais pas trop sûr de que où se trouverait le Worcester au moment du tir. Voilà. 6200, c'est mieux que rien. Alsace se trouve sur un point un peu problématique. Parce qu'il s'est planté dans l'île en fait, il s'est planté dans le glaçon, dans l'iceberg. C'est toujours contesté là-bas, il y a tout un pack de navires qui contestent un seul cuirassé. Enfin bon, et chez nous la 1 est prise, mais le Worcester veut essayer de la prendre. Et l'Alsace me rentre avec son petit cul dans mon gros nez. Ok, 15 000 sur le Worcester. J'aimerais bien qu'il se pousse s'il vous plaît, merci. Le Worcester te tire plus dessus donc tu peux commencer à réavancer hein, l'Alas. Pas obligé de garder ton cul sur mon nez, merci. Ça dépend si c'est un nez, si c'est un cul féminin qui rien. Booster, la Maggie a détruit l'Alaska, donc il y a beaucoup d'expérience pour la Maggie. Est en train d'être repris par l'ennemi, donc faut faire attention. Attention aux torpilleurs du Midway, mais ça va. On a un Neptune là-bas qui va s'arrêter, je pense. On va voir s'il va s'arrêter. Je serais curieux de savoir si je l'ai touché ou pas. Citadelle 1 et 2 pénétrations. 3 défendus, je me suis arrêté parce qu'il y a les torpilles qui arrivent là. Je suis pas sûr qu'elles soient jusqu'à moi, mais faut prendre des précautions. 2 précautions valent mieux qu'une, hein, je rappelle toujours. Ouais, c'est bon, elles sont disparues. Par contre, il y a Namagi là-bas, il tente bien. Le Worcester, pour essayer de. Ouais, bof, non. Namagi, par contre, il revient. Il est pas tout à fait de flanc. Je répare, mais c'était pas utile, je pense. J'ai l'impression que quand je tire, en fait, je fais un recul de canon aussi avec ma souris, quoi. C'est amusant. Touché. 4785. Une seule pénétration, mais bof. Pas GG. L'Alsace, il est juste en dehors du cercle de la... Ah, bah oui, là, par contre. Il y a nos destroyers qui a touché une fois, peut-être, même pas. Il a été... passé à travers le... Les torpilles, incroyable, la Maggie. C'est un navire qui est assez maniable, hein, la Maggie, il faut dire aussi. L'Alsace, par contre, c'est foutu pour lui. Je pense qu'il va y passer de toute façon. Il aurait dû se mettre en dehors de la base. 4300, c'est pas terrible. 3 navires détruits en face, un navire chez nous. C prise finalement. B en cours de prise, mais contesté par 2 navires. A est contesté, même s'ils l'ont prise. Et l'Alsace va mourir. Il va exploser dans de grosses souffrances. Voilà. Et je me souviens, il faut qu'il va dire quelque chose dans le chat. Un truc qui va faire un à la fois du français et de l'anglais. Et voilà, une citadelle, 25 000. C'est toujours payant quoi, quand quelqu'un est de flanc face à moi. Face au Kremlin en tout cas. Move connard, c'est ça, voilà. Il dit move connard. Je crois que la plupart des gens ne comprennent pas le mot connard, donc... Et j'avais pas vu à ce moment-là que c'était Vauclin. Donc j'ai reconnu, après je fais ah, mais c'est Vauclin! Parce que bon, un mec qui dit move connard, ça peut être qu'un français. Hein. 2900, et là je fais lol. Et il répond lol. Ah, la Maggie là, il a pris très cher par le. Je pense par le Z23, mais je suis pas sûr. Au niveau des torpilles, il est torpillé, je pense. Oh oh, Yugumo! Yugumo en approche. J'ai déjà 1 500 000 de parking. Et la partie n'est pas terminée, il reste 10 minutes. Hein. Et j'ai raté, je pense. Ouais, dommage. J'aurais pu lui faire assez mal. Maggie détruit par le Montana. On est plus de 13 km là-bas.
Ah, il est derrière, c'est derrière son lit, cet enfoiré. non. Ça passera pas. Je suis à 139 000 points de dégâts, donc c'est pas extraordinaire. Je suis pas sûr que ça fasse grand chose, hein, mais on va voir. Ah, Wooster. Celui qui harcèle depuis le début, là. Ah, j'ai quand même tué une surpénétration parce que je suis passé juste au-dessus, ça a dû toucher les... Ça a dû toucher les superstructures du Neptune. Seattle détruit le Kurfürst. Bah, j'oublie qu'il y a un Z30, il y a un Ugubo pas loin, hein, donc voilà, Ugubo arrive. Il est dans la base. Je vais essayer de calmer un peu le jeu, de faire un petit peu de tanking. Ouh, 7900 sur le Wooster. J'ai pris cher, elle m'a bien bombardé. Hein. Je garde le feu, parce que je rappelle que le mes incendies sont à 38 secondes, je crois, ou 35 secondes. Donc je garde pour l'instant. Je pourrais toujours récupérer ça avec la réparation de coque. Il va virer, je pense. Ouais, il vire. 6200, il faut le finir, les gars. Que ceux qui m'entendent le finissent. Ouais, on est pas beaucoup en fait. Et les avions se concentrent sur moi aussi parce qu'ils veulent me finir. Ils veulent aussi me finir eux. Voilà, je relance ma dernière réparation de coque, c'est parti. Ah, 5200, c'est bon. Montana l'a eu avant. Bravo Montana. Et je suis à 2 250 000 de tanking quand même. Hein. Celui qui me dira un jour que le Kremlin ne tanque pas, il ira se faire mettre. Le Z23 et du Gumo, bravo. C'est ton rôle, le Z23 c'est quand même un chasseur de destroyer quand même. Hein. Donc, voilà. Alors j'espère que ça marche bien au niveau du micro. Voilà. Ouais, ça marche bien, vraiment. GG comme dirait Greybird. L'ennemi n'est plus qu'une pâle copie de ce qu'il était au début, et nous sommes toujours en force. Avec un porte-avions à 17 km, Starcat, réveille-toi. Starcat, un porte-avions à 17 km là-bas. Il est derrière son île, donc c'est pas grand-chose, je pense. 160 000. Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tire, je fais un recul souris comme si je faisais un recul canon aussi. C'est assez amusant. 14 000 sur le Midway, d'accord. Il s'appelle Northyard Hambourg. 177 000. Je suis en train de capturer. Enfin, non, on va capturer la base A et je vais participer à la capture, je pense. À moins que les bombardiers viennent sur moi, mais je pense pas. Ah bah bon, monsieur Midway, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous sortez de votre cachette? Comment vous arrive-t-il? Que se passe-t-il, monsieur Midway? Que se passe-t-il? Ah, ça va arriver bien au milieu. Voilà, une citadelle, gros calibre. 208 000 points de dégâts. Bon, il reste plus grand chose à détruire, je pense que ça va être là que ça va s'arrêter. Et j'ai pas fait un seul dégât, enfin un seul navire détruit. Hein. C'est que du dégât pur. Et je suis arrivé premier de la classe. Bon. Ça aide. Belle bataille, on a bien tenu. Grâce à l'Alsace qui s'est sacrifié, on a quand même tenu. Donc je dirais ça à Bouclin, bravo petit gars, tu nous as aidé. Allez hop, très bonne bataille en Kremlin, Starcad, merci beaucoup Starcad. Donc allez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et amusez-vous bien petit capitaine et grands amiraux, ciao.
お前はもう死んでいる。何？